Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus à cette séance quotidienne où nous parlerons bien évidemment de la technologie à cordes. Alors ce soir, comme d'habitude, c'est moi Donatien Gérard et je suis investisseur dans le projet de transport à cordes depuis 2018 et je suis très content de voir que chaque jour mon investissement se transforme en quelque chose de réel, se transforme en une technologie réelle qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport déjà. Alors, je suis très content car cela est très, très gratifiant. Alors, ce soir, nous aborderons les sujets suivants. Les dernières nouvelles du projet tout d'abord, comme d'habitude. Et nous verrons ensuite les facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous parlerons des problèmes, risques et sécurité des systèmes de transport actuels. Nous verrons les possibilités et perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons qu'est-ce que Skywalk Community vous offre et les avantages et perspectives que vous tirerez bien évidemment de votre participation à ce magnifique projet. Alors, tout d'abord, nous commençons par cette nouvelle. D'accord? Le concept de transport de l'avenir de Moscou est présenté. Le musée des transports de Moscou, dans le cadre du projet autour de la Moscow City, a présenté une prévision du développement du réseau de transport de la ville. Les illustrations générées par le programme informatique montre comment la capitale de la Russie changera à l'avenir si de nouvelles technologies de transport sont introduites dans son infrastructure. À l'exposé du musée des transports de Moscou, les options pour l'organisation des systèmes de transport pour le complexe Moscow City et d'autres centres métropolitains à fort trafic ont été présentées. Parmi les routes urbaines similaires, le troisième anneau de transport, le pont routier d'Orogomilov, le tunnel d'Orogomilov et d'autres. Les visualisations retracent les principales tendances du développement des grands centres de transport du futur. L'aménagement paysager, l'organisation des passages pour piétons et le remplacement des structures encombrantes par des options légères. La distribution ou bien la redistribution du trafic des passagers à plusieurs niveaux. Selon la version de l'ordinateur, la solution optimale à ces différents problèmes est l'illustration du transport de survitesse. OK? La technologie UST répond déjà à ce concept et s'avère et s'intègre parfaitement dans l'infrastructure de Moscou, répondant aux exigences de base en matière de sécurité, d'environnement et d'accessibilité. L'escalade de rail à cordes est située au-dessus du sol, ce qui résout efficacement le problème des embouteillages et élimine les accidents. La sécurité est responsable du système anti-déraillement du système de contrôle automatisé. La flexibilité de la construction de la structure de trajet basée sur le principe de l'intégration prudente dans l'environnement. La construction ne perturbe pas le mouvement des eaux souterraines. Et la surface, le paysage naturel est préservé. Les systèmes de transport UST peuvent transporter jusqu'à 50 000 passagers par heure. Grâce à les systèmes de contrôle automatisé, le transport s'adapte au trafic de passagers, ce qui permet d'éviter la congestion dans les gares. En même temps, la construction et l'exploitation des complexes UST sont économiquement plus rentables que les autres modes du système de transport. Cela s'explique par la faible consommation des matériaux, des escalades à cordes et par le fait qu'il n'est pas nécessaire de construire des escalades, des ponts, des remblais et des échangeurs à plusieurs niveaux. Alors, nous continuons avec cette nouvelle concernant l'émission finale des coupons x2 au Skywalk Community Challenge, Champions Challenge. L'émission des coupons x2 à l'honneur de Skywalk Community Champions Challenge est passée le 24 novembre dernier
nous avons reçu des coupons x2 que vous pouvez utiliser, ok, vous-même ou donner à des amis tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'est le jour final quand les participants les plus actifs de la promotion ont reçu tous les coupons réalisés. S'il vous plaît, notez bien. Les coupons émis aujourd'hui seront valables 7 jours jusqu'au 8 décembre inclus. La promotion avec les coupons x2 a duré plus d'un mois. Pendant ce temps, un grand nombre de partenaires ont augmenté leur classement dans Champions Challenge et ont pu être dans la liste des meilleurs, suivre les nouvelles et participer à de nouvelles offres promotionnelles via notre back-office. Eh bien, Uniski Technologies Inc. continue de travailler au Salvador. UST Inc. continue de travailler au développement des infrastructures de transport au Salvador. Plutôt, les plans du gouvernement pour l'application de la technologie UST ont été déclarés par le commissaire du président pour les projets stratégiques, Christian Flores. Demande de technologies alternatives. En 2021, le Salvador a accueilli plus de 1 400 000, autant pour moi, un visiteur, ce qui, de même que la forte croissance démographique de la région, rend urgent le développement efficace d'un système de transport. Un grand nombre de mouvements architecturaux et un développement urbain dense ont créé une demande pour l'application de la technologie de transport alternative. Cette technologie doit être productive et facile à adapter dans l'environnement formé. Ce système de transport permettra de transporter un grand nombre de passagers sans affecter les sites historiques et culturels. Les nouvelles fonctionnalités avec les complexes UST, Uniski Technologies Inc., offrent des véhicules électriques sans pilote sur roues en acier qui assureront un transport efficace et sûr de jusqu'à 50 000 personnes par heure. Les pistes UST peuvent être posées sur le développement urbain existant et s'intégrer harmonieusement à l'architecture locale. Cependant, la construction des complexes UST est plus abordable par rapport à la pose de chemins de fer ou d'autoroutes. En outre, le transport UST est idéal pour des excursions, par exemple dans les parcs nationaux ou les réserves naturelles. Les touristes et les résidents du Salvador pourront profiter des vues pittoresques sans interférence des transports dans l'écosystème de la région. À propos du système multimédia installé dans Uport, remplacera facilement le guide. Alors, après ces dernières nouvelles intéressantes qui montrent à quel point nous sommes dans une technologie qui est en train, okay, de révolutionner le monde et d'apporter une solution aux différents problèmes du transport moderne actuel, qu'est-ce que c'est que la technologie de transport accorde? Donc, il s'agit d'une solution innovante au problème du transport moderne, le transport de marchandises à grande vitesse et à hyper vitesse, et même le transport des passagers. C'est un transport innovant qui s'intègre facilement dans l'environnement et qui se développe actuellement en Biélorussie et aux Émirats arabes unis. En 1914, regardez cette photo, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a donc réalisé le monde dans un avenir proche. En voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision, les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici est déjà familière et pas seulement sur des images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport aujourd'hui affectent l'économie. Les ports surchargés
n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Alors, nous désignons ici les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes, le transport et la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. La nature, elle, résiste à l'homme tant qu'elle peut, comme on peut le voir sur cette image. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant même qu'il oublie qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez vous-même. Aujourd'hui, le carburant même que l'on utilise est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Donc, le quatrième, le troisième autant pour moi, problème majeur de notre époque, c'est celui de la pollution de l'environnement. Il faut la réduire. La couche d'ozone souffre déjà assez. Le passage du transport en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Regardez vous-même. Le fait est qu'en branchant, une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons directement à une centrale électrique qui, elle, fonctionne à partir de combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. Donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la forte consommation d'énergie dont nous faisons l'objet, dont nos véhicules utilisés font l'objet. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne se réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est la seule différence. D'accord? C'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, au grand jamais, été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple rouleau, pas des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Regardez vous-même. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire que voici. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport donc nouveau que voici et que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur ainsi que sa propre structure de trajet. Alors, nous parlons de U-Sky. Il s'agit d'une ville linéaire en union avec la nature. Les routes des UST favorisent le développement des villes linéaires dans les établissements urbains de type cluster, harmonieusement intégrés dans l'environnement naturel. Ici, nous avons une image de l'éco-maison, qui est aussi un élément constitutif de l'ensemble des transports, de l'ensemble constitué du projet U-Sky, autant pour moi. Alors, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, nous fixons le problème ici qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il n'est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore, comme on peut le voir ici. Et grâce au système de transport à cordes, tout cela est terminé. Nous n'avons pas besoin de détruire toutes ces couches de zone, toutes ces couches, tout cet écosystème. OK? On peut voir cela ici parce que la prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route après avoir détruit l'écosystème. OK? Et seulement à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Regardez.
Pour éviter des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. D'accord? Ce que les hommes ont fait aujourd'hui, ils l'ont déjà fait, et on voit des ponts construits pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rizière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux maintenant, d'accord? Parce que ce pont est très lourd. Et on se rend compte que il demande beaucoup de moyens pour pouvoir les construire. Grâce à la technologie de transport à cordes, on aura besoin de bien moins de matières premières. D'accord? Ici, on va donc poser le câble, ok? Et les supports lourds n'étant plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer les extrémités dans le sol de la même manière que les câbles sont fixés sur le corps de la guitare. Nous fixons ensuite, comme on peut le voir, et nous enlevons donc ensuite les supports intermédiaires qui n'étaient pas du tout nécessaires. Alors, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. On peut voir ici la tête du rail, les cornes, qui sont des faisceaux de fils d'acier précontraint, un agent de remplissage qui est un béton flexible et le corps du rail qui constitue donc l'enveloppe. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de rail rigide, une structure de rail semi-rigide et une structure de rail flexible. Regardez ici, on peut voir la conception du châssis, conception intérieure avec les différents éléments que vous pouvez voir là. Et je tiens à rappeler, bien évidemment, afin que nul n'en ignore, que la conception, bien évidemment, a un système anti-déraillement spécial dont on a parlé à l'entame de ce webinaire. Regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage. Ce photomontage montre les vrais aubans supportant le vrai pont. OK? Montre des aubans, autant pour moi, supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. Et en passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Eh bien, une travée, c'est quoi? C'est la distance qui sépare deux supports d'ancrage qui peut être jusqu'à 5 à 6 km. Alors, ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise. En octobre dernier, dans le Centre de recherche et d'innovation technologique à Sharjah, une caractéristique distinctive des structures de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui permet donc d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence des pilotes et le passage au contrôle automatique élimine donc l'influence du facteur humain. Ici, c'est une vraie photo prise en octobre dernier par moi-même au Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, où j'ai eu la grâce de pouvoir faire un tour devant cet unibus magnifique et majestueux. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la compacité, la simplicité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie véritablement réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier.
La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est celle de réduire la résistance aérodynamique à l'air. OK? Et ici, cette image, on peut voir l'aérodynamisme donc du véhicule qui est noté en CX de 0,4. Et puis là, l'aérodynamisme de le flash qui est de 0,065. On se rend donc compte que ce système de transport-ci a un aérodynamisme qui est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne, ce qui est énorme. Voici l'appareil qui vient d'être présenté précédemment sur le schéma en grandeur nature. Cet appareil peut donc permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne que nous connaissons. Alors, dans ces différents diagrammes, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes de transport à cordes que U-Sky offre un peu en vert. Nous avons donc ici la solution la plus optimale en termes de coût de délivrance, le coût des opérations, le coût du capital, je voulais dire, le coût de consommation d'énergie, la capacité, la pollution de l'environnement, le taux d'accident du transport. Sur ce graphique, on voit clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport, aviation, ferroviaire, routier et maritime, en termes de coût de délivrance et temps de délivrance. Voici donc un tableau qui montre une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Ici, le transport que U-Sky offre est bien évidemment peint en vert. Et on se rend compte que, en termes de coût par kilomètre, U-Sky offre la solution la plus optimale, qui est près de 10 fois moins chère que toutes les autres technologies existantes. Donc, nous pouvons dire que le transport de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et écologique. Tout le monde peut participer à ce projet. Nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan de versement pratique divisé en 5 mois est mis à disposition de tout le monde. Et aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans tout le monde entier. Alors, dans plus de 200 pays, et les perspectives d'investissement dans le projet sont les suivantes. Les dividendes, premièrement, en participant à ce projet aujourd'hui, vous recevrez des dividendes de la part des bénéfices des projets de l'entreprise lorsque l'entreprise commencera à faire des premiers bénéfices. Deuxièmement, le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions comme elle a déjà fait en octobre 2018, où les 5 000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant investi. Et l'héritage. Les actions aujourd'hui que vous avez sont votre propriété. Vous pouvez les léguer à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en héritage. La vente d'actions. L'entreprise peut décider d'entrer sur le marché boursier et à ce moment, vous pouvez avoir la possibilité de revendre vos actions au prix du marché. Alors, l'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoly Eduardovitch Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur a créé une technologie optimale, efficace et sûre. L'état de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés sur son site. Alors, nous avons aujourd'hui plus de 15 modèles de véhicules pour le transport dans la technologie. OK? Et quatre modèles de véhicules pour le transport de passagers et de marchandises, autant pour moi. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit et avec les méthodes modernes de livraison de structures de construction fournies également par
des drones volants fournis par la technologie, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès aux sites d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, donc, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup, beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ici ont été prises en Berlin, OK, en 2018 lors de l'exposition InnoTrans. OK, notez la photo en haut à gauche où on voit les employés du stand de téléphérique suisse qui regardent en direction du YouFlash. Il est impossible, bien évidemment, de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé tous les tests peuvent être trouvés sur le site. C'est le document que le CEO tenait tout à l'heure. Et la technologie de transport à cordes, aujourd'hui, a plus de 83 brevets dans plus de 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs brevets et certes, et récompenses également. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Unisys Steam Technologies a été créée en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a près de 11 modèles de machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et passagers urbains et interurbains. Et l'agent des investisseurs aujourd'hui a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, premièrement. Et à chaque fois, chaque année, à l'heure de l'éco-fête, les investisseurs se rassemblent pour voir la réalité de tout ce qui s'y passe et essayer eux-mêmes les engins. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau est montré. En 2018, on a commencé la construction du Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Et le Centre d'innovation de Sharjah, qui est un groupe de recherche de production, qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans le paysage terrestre et ne nous surprendra plus, comme le métro ou le tram ne nous surprennent plus du tout. Alors, nous pouvons donc dire, en guise de résumé, que le transport que nous venons d'étudier, cette technologie qui s'offre à nous cette opportunité est une opportunité de transport innovant qu'au-dessus du sol, à haute vitesse, sûr, efficace, facilement, je dis bien, facilement intégrable et surtout écologique. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne donc rendez-vous à dans une semaine pour d'autres dernières nouvelles du projet en vous laissant avec cette vidéo très intéressante. Et je vous dis à très bientôt. Chers amis du Cameroun et d'Afrique francophone, nous sommes dans le Nébus à grande vitesse. Chaque fois, on a l'habitude de le voir dans la télé. Aujourd'hui, c'est du réel, les amis. C'est du réel. Je vous invite à adhérer massivement à l'idée du concepteur, à Dr. Patrick Leski. Il faut participer à ce projet. Et vraiment, c'est du réel. Le financement s'achève d'ici peu. Je vous invite massivement à pouvoir adhérer.